Good morning, allez, Iden, les tutos aujourd'hui, le Nishmat Amamina Ben Chana, Piggy Batesner, Nissim Ben Aouda et Sarah Batrana Rachel. Si vous souhaitez aussi des idées de prochaine étude de Mishnah, consacrée à 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Aouda Zara, Perek He, Mishnah Gimel, Nochri, Shaya Ma'avir, Im Israël, Kade Yain, Mimakom le Makom, Im Aya Becheskat Mishtamer, Mutar, Im Hodio Sheu Maflig, כדי שישתום ויסתום ויגוב. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כדי שיפתח ויגוב ותיגוב. On va parler à présent, dans les prochaines Mishnayot, du goy qui s'isole avec du vin. Du vin fermé, comme on va expliquer bien sûr. Est-ce que l'on va craindre que le goy a ouvert la bouteille et a touché le vin pour le rendre yannesser? Pour rendre yannesser, d'abord, le goy doit nécessairement avoir du vin découvert et même mettre la main dedans. Je ne sais pas précisément dans quelle précision exacte, mais en tout cas, c'est sûr qu'il doit avoir un contact direct avec le vin. Et comme on l'évoquera dans le prochain Mishnah aussi, être méchachcher, faire bouger le vin à l'intérieur. Si on donne une bouteille fermée au goy, alors pour le moment, il ne peut pas la rendre yannesser, mais on a un problème qu'il va peut-être ouvrir la bouteille et mettre ça maintenant pour le rendre yain nesser, pour le rendre donc du vin interdit pour la avodah zara. Alors maintenant, la Mishnah nous enseigne comme ça. Nochri shaya ma'avir, un goy qui transportait, im Israël, en même temps qu'un juif, donc en même temps que le propriétaire du vin juif, kadei yain mimakom le makom, des tonneaux de vin d'un endroit à un autre. Soit je transportais mon vin avec un goy, j'ai pris un goy, un manutentionnaire qui va me prendre le tonneau de vin et le transporter avec moi de là pour partir jusqu'à l'autre côté de la ville. La Mishnah m'enseigne comme ça. Im haya becheskat hamishtamer. Si le vin était becheskat hamishtamer, il était pour le moment supposé bien surveillé. Moutar, le vin reste permis. C'est-à-dire, on parle de quoi? On parle qu'en réalité, le goy, d'abord, plus précisément, en synthétisant le calcutosotium d'ol en même temps. On parle d'une bouteille qui n'est pas fermée avec un tsamid patil, avec un chotem, les tor chotem. On parle qu'il y a juste un bouchon normal, bénin, sur la bouteille, de manière à ce que très facilement le goy, si je le tourne, il va peut-être ouvrir la bouteille ou le tonneau, mettre sa main dedans et rendre le vin yain nesser. Alors la Mishnah m'enseigne en disant comme ça, si je transporte le vin, et que je le quitte de temps en temps et je reviens, tant que le vin il est becheskat hamishtamer, supposé pour le moment bien gardé, c'est-à-dire il a peur de moi, le goy a peur que je l'attrape la main dans le sac, la main dans le tonneau en train d'être méchachcher, donc il a peur de moi, donc je ne vais pas le soupçonner d'ouvrir la bouteille. Tant que pour le moment il sait que je suis censé revenir à chaque instant, maintenant, im hodiyo shehu maflig. Si par contre je lui ai dit que je dois être maflig, on parle d'être maflig bayam par exemple, partir, que je dois partir loin de là, je vais m'écarter longuement, je lui dis reste, continue à marcher parce que moi je dois partir faire une course chez mon cousin à l'autre côté de la ville, mais c'est pas grave, continue toi à avancer, je te rejoindrai ensuite. Donc là maintenant le goy, il sait qu'il va avoir quelques minutes, quelques heures même, de tranquillité où il va pouvoir ouvrir le tonneau, mettre sa main dedans et rendre le vin yannesser. Alors là, on va même être craindre qu'il va rendre le vin yain nesser, mais même plus que ça. Même si le tonneau il est complètement fermé hermétiquement, on va craindre, je vous dis tout de suite ce qu'il va y avoir, on va craindre qu'il va l'ouvrir, rendre yain nesser et le refermer convenablement en remettant toutes sortes de produits, de cire avec lequel on scelle le vin, les tonneaux de vin. Et il y a sur ça une discussion entre Rabban Shimon ben Gamliel et Tanakama, combien craindre? D'accord? Regardez dans les mots. Im hodiyo shehu maflig, si le juif propriétaire du vin lui a fait savoir au goy qu'il va s'éloigner pour un bout de temps et revenir qu'ensuite. Alors Tanakama nous dit kedeshi ishtom veistom veigov. On va, si toutefois je me suis éloigné suffisamment de temps, donc il a compris que j'allais m'éloigner suffisamment de temps pour sheishtom, qu'il fasse un trou dans le tonneau, qui perfore le couvercle. Veistom, et donc qui perfore suffisamment pour mettre la main,
rendre le Nesef, puis ensuite Istom, le refermer, Veigov, Igov plus précisément, ah oui, et c'est faire sécher, la cire qu'il va mettre dessus, la cire ou la chaux. Il y avait plusieurs manières, soit avec du mortier, du ciment, soit avec de la cire. On va évoquer ensuite plus de précision, mais en tout cas, le principe, il est là. Donc Tanakama me dit, écoute, si tu l'as laissé suffisamment de temps pour qu'il fasse un trou dans le tonneau, qu'il rende le vin nécessaire et qu'il le referme proprement sans qu'il laisse de traces, alors tu vas le soupçonner, dès lors, ton vin va devenir interdit de peur que le goy s'est permis donc de le faire. Rabban Shimon ben Gamliel, lui, nous donne, il met la barre un petit peu plus haute. Non pas de faire un trou et de le reboucher, on ne va pas craindre qu'il a fait ça, mais on va plutôt craindre qu'il a fait quelque chose de plus simple, même si ça prend plus de temps. Qui va ouvrir le tonneau, Kedesh et Iftar, qui va ouvrir le couvercle normal du tonneau, et ensuite, une fois qu'il va venir de faire le Ineser, qui va le Veigov, il va le rabattre, Vetigov, et il va ensuite étaler la cire ou le mortier, et le sécher. Tigov, mais la chaîne est nagev, séché. Donc, je répète maintenant la discussion qu'on a. C'est-à-dire, le principe, il est clair, vous l'avez bien compris. On parle que j'ai laissé le goy avec le tonneau. Je l'ai prévenu que j'allais m'écarter pour un bout de temps. De ce fait, être là, il se sent plus en sécurité pour même se permettre d'ouvrir le tonneau. Maintenant, ouvrir le tonneau et le refermer, il y a deux manières de procéder. La manière rapide, mais qui laisse peut-être des traces, c'est de faire un petit trou, et une fois qu'on a fini, on remet vite fait de la chaux dessus, de la chaux, de la cire, et on étale proprement, on recouvre proprement de cire. Ça, c'est la première option. La deuxième option, qui va demander ensuite plus de temps pour réparer, c'est d'ouvrir tout bonnement le couvercle. Oui, dans le tonneau, il a un socle, un premier couvercle, donc c'est deux ronds, avec des bois qui les relient, d'accord? Et maintenant, l'usage, il est d'ouvrir. Quand on veut ouvrir le tonneau complètement, alors on ouvre la Megofet Rabit, ça s'appelle, on ouvre justement ce couvercle, et on se sert du vin, après on le referme et on étale du mortier tout autour. On le referme bien avec soit avec du mortier, soit avec de la cire, plusieurs matériaux qui permettent de bien coller et de aussi prouver que ça n'a pas été touché. Alors maintenant, on a Rabban Shimon ben Gamliel qui met la barre plus haute. On ne va pas craindre qu'il va faire un trou et ensuite le refermer, parce que finalement, peut-être que ça va être mal fait et que tu vas le voir qu'en réalité il a touché ton vin. Donc le goy craint cette situation et ne va pas la concrétiser. Tandis que si tu as laissé suffisamment de temps pour qu'il va ouvrir le tonneau et ensuite utiliser, donc rendre le vin nécessaire et le refermer, puis ensuite étaler proprement tout le mortier comme ce qu'il y avait, alors là, Rabban Shimon ben Gamliel va me dire que là ça devient interdit. Plus précisément, de quoi on parle exactement, de quel type de tonneau? Alors on va faire regarder dans le Bartenora. Le dernier Bartenora de Vetigov, il nous explique Vetigov, ça signifie Vetinagev, Vetivache. Elle va s'assécher. Ouais, une fois qu'il va étaler toutes sortes de mortiers ou de cire, ça va sécher, ça va devenir bien fermé. Alors, Avalenekivatchor, le Bartenora nous explique. Par contre, craindre qu'il a perforé uniquement, faire un petit trou comme Tanakama, il ne craint pas. Pourquoi? Lochacheshu, Mishum Demin Kiramilta, parce que c'est reconnaissable. On va réussir à réaliser. Et le Bartenora nous dit maintenant, c'est cette phrase qui m'intéressait. Mais Davka Bemegoufa Shel Sid, ou des pligues Rabban Anale de Rabban Shimon ben Gamliel. Toute leur discussion, est-ce qu'on va craindre qu'il est perforé ou qu'il n'est pas perforé? C'est uniquement lorsque le couvercle, il est en Sid, il est recouvert avec de la chaux. Il est fermé ensuite hermétiquement avec de la chaux, on étale de la chaux dessus. Dans ce cas-là, il y a une discussion avec Rahamim qui discute contre Rajbag, parce que Rahamim va nous dire, Chayshe, les petits chat nekev. On va craindre qu'il a éventuellement perforé. Pourquoi? Parce que Mishum de l'Ominkar, c'est pas reconnaissant. Chez Hassid, parce que finalement, la chaux, elle est blanche. Venonikar, Ben Khadash, la Yashav, et on ne va pas pouvoir constater ce que c'est du nouveau, c'est de l'ancien. Aval, Ben Megofet, Tit, par contre, s'il a refermé avec du mortier, du Tit, du ciment, alors là, c'est Minkar. Et j'explique un petit peu mieux de quoi on parle. On va aller de l'appartement, il nous explique quelque chose d'important. Il nous dit comme ça. Toute la discussion, elle est uniquement lorsque c'est de la chaux. De la chaux, ça s'étale. Si tu fais un petit trou dans la chaux et puis après tu veux recouvrir, tu vas pouvoir remettre de la chaux facilement sans que ça laisse de traces. Si toutefois c'était du mortier, c'était fermé avec du mortier et que là tu as perforé, alors quand tu vas refermer, on va tout de suite voir que ça c'est l'ancien ciment et ça c'est le nouveau ciment. Alors là, dans ce cas-là, on va plus craindre que le goy va perforer. Tandis que lorsque c'est de la chaux, c'est moins reconnaissable. D'où la question. Alors, et Rabban Shimon ben Gamliel, pourquoi il pense que c'est reconnaissable, qu'il va pouvoir réaliser? Alors, le Tosafot va apporter au nom de la Gemara
C'est très simple. Extérieurement, lorsque vous allez prendre un couvercle où il y avait dessus de la chaux, vous allez faire un trou dessus et vous allez étaler de la chaux. Il est vrai qu'extérieurement, vous allez réussir à rendre la surface toute blanche. Mais lorsque vous allez ouvrir ensuite le couvercle, vous allez voir de l'autre côté que ça a été réparé. Alors c'est en ça qu'ils discutent. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, puisque finalement tu vas pouvoir réaliser est-ce que le goy il a touché ou il n'a pas touché, le goy craint d'ouvrir et ne va pas se permettre de le faire. Tandis que Rami vont dire non, le goy il se permet de le faire, parce que de manière générale, chaque fois qu'on ouvre un couvercle, ou si on voit que c'était bien fermé extérieurement, on ne va pas commencer à chercher, est-ce qu'intérieurement il y avait quand même une trace que ça a peut-être éventuellement été ouvert. Donc de ce fait, c'est suffisamment, il y a lieu de craindre que le goy ait ouvert de la sorte, et rendu le vin, il y a une nesser. Et la halakha est établie comme Rabban Shimon ben Gamliel, c'est une grande règle. Chaque fois qu'on a Rabban Shimon ben Gamliel dans la Mishnah, la halakha, elle est comme lui. Et pour la prochaine Mishnah, ce sera exactement le même principe qui reviendra sous deux aspects. On reprendra Bezrat Hashem le même principe. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la halakha, kol tov, salam.